Magui, tu peux venir? Oui, un peu, Magui. Un, deux, trois. Super mouillé, les bah oui, il faut bien. Ah, pardon. Il y a quoi, deux? Deux filles, pour pas avoir que des hommes. Allez, parfait. Viens, tu mélanges. C'est intercal. Et mélange. Alors ça, je vais le poser ici. Voilà. Tu peux te rapprocher des volontaires voilà. Avec les amoureux. Hop. Donc, je vais mélanger, je les élance là, comme ça vous les voyez. Je ne pas plier. Tu veux faire une photo? Oui, oui, rapproche-toi. Alors. Voilà, c'est bien. Pour la photo, c'était voilà. Pas sec. Je les ai collés devant vous, ils sont passés. Alors, prenez-en chacun une. Voilà. Génial. Et vous la mettez face à vous, comme ceci. Voilà. Et vous les. Comme c'est marqué, vous ne les pliez pas. D'accord ? Ce que vous pouvez faire, c'est vous échanger de place, vous intercaler un là, un là, un là. Tu n'as pas le droit de le faire. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez vous inverser autant de fois que vous voulez. C'est ça. Toi, tu mets de la musique, des chaises musicales. D'accord, il sort. Si vous voulez, vous pouvez aussi échanger les enveloppes, si vous en avez envie. Ça veut dire oui, que, oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je veux bien comme ça, que tout le monde te voit. Ah ouais, attends, ça se mérite une photo. Ok. Tout le monde, là, là, là. C'est bon, Thierry. C'est bon. C'était trop bon. On peut encore changer une dernière fois. Maline, arrête. Arrête, je vais regarder. Tu veux? Dieu, va. Maggie, elle est en train de voir tout ça. Mais non, mais je vois s'il y avait une telle tête. Non, ah, ils sont tous pareils. Rapproche pas un petit peu. Ah, tu veux une photo avec moi? Oui, mais les enveloppes, ça fait bien monter les enveloppes. On se croit à la remise des Césars. C'est bon. Tu veux dire quelque chose, Maggie? Non, j'attends de voir la suite. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est... tu vas me donner un chiffre entre 1 et 5. 3. Alors, maintenant, tu peux ouvrir doucement l'enveloppe. Et celui qui a le numéro 3 dans la languette, qui me le disant juste en haut. Juste dans la languette. C'est moi. Voilà, tu te mets au milieu. Voilà. Et les autres, vous mettez deux d'un côté et deux de l'autre. Qui vous voulez à droite et qui vous voulez à gauche, mais derrière. Ça, toi, tu t'avances. Voilà. Donc, le hasard a fait que, alors c'est marqué ici, le chiffre 3 et les autres, ils ont 1, 2, je ne sais pas ce que vous avez, je ne veux pas savoir, vous fermez. Et vous tenez bien les enveloppes comme ceci. D'accord, vous l'avez vu, il y a marqué ne pas plier parce que c'est comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer de place comme ça, changer de place comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Changer. Tiens bien ton enveloppe comme ça. Tout le monde peut changer. Ouais, ouais. Ok, changer. C'est bon. Tout le monde va rester là. Donc, je rappelle que ici, j'ai une prédiction. Mm-hmm. Alors, regarde, tu peux la regarder. Tu peux pas, t'es pas obligé de l'ouvrir. Bon. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Maggie, les extrémités, vous allez vous mettre un à droite, un à gauche. Si vous voulez, vous pouvez changer de place. C'est vous qui décidez. Et c'est toi, à la fin, qui décidera s'il reste comme ça ou s'il change encore une dernière fois. Vous pouvez changer une dernière fois. C'est toujours toi qui décides. Ah, j'aime bien ça. Ensuite, les deux autres, ils se mettent aux extrémités. Si vous voulez changer, vous pouvez. Et c'est toi qui décides s'ils peuvent changer. Alors si j'ai envie de vous changer. Comme vous avez dit non. Ok. Cinq personnages qui se sont mis dans n'importe quel sens. Les enveloppes ont été échangées au début. Ils ont fait plein de choses, ça s'est mélangé dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va ouvrir la prédiction qu'il y a dans cette enveloppe et on va ouvrir les enveloppes qu'il y a à l'intérieur aussi. Pour l'instant, on n'ouvre pas. Il va nous faire en version why. Non, mais j'arrive pas à l'ouvrir tout ça. Hop. On va poser ça ici. Thank you.
les codes couleurs. On va le donner ici. Parce que tu peux ouvrir ton enveloppe. Qu'est-ce que tu as en premier? Je triche, je triche. Ah non, je peux pas. Ah, ouf. Alors là, il m'épate. Et est-ce qu'à l'intérieur, il y a une autre couleur ou une autre enveloppe, un autre papier? Non. Ensuite, vas-y. Oh, le jaune. Alors là, il m'épate. Alors là. Il faudrait que tu aies réussi ça, là, je suis épaté. Là. Génial. Au milieu, qu'est-ce qu'il y avait? Pâté de campagne. Vert. Le numéro bleu, le numéro bleu, je voulais dire tout à l'heure, c'était le numéro 3, vous avez dit, tu as dit au hasard numéro 3, c'est lui qui avait le numéro 3, c'est pour ça qu'il s'est passé au milieu. J'espère que c'est pas le rose, mais... Ah, le vert. On montre bien que l'enveloppe toujours pareil est normale. Et la dernière... Alors là, je suis mort de rire si c'est pas la bonne couleur. Parce que c'est suspense. Suspense. C'est magicien. Il y en a pas. Tu veux pas changer la couleur au dernier moment? Et là, ça demande des tonnerres d'applaudissements. Ouais. Ouais. Et tu manges bien. Très joli. Et tu manges bien. Très joli. Voilà. Très, 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 très,